Salut l'élite, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va aller voir toutes les voitures qui passent au banc parce qu'on est à un rasso chez Shiftech Belgique. C'est parti. Ok, la 812, je l'ai entendu de loin. Et celle-là aussi elle va passer sur le banc. Sacré bruit hein. Allez, on y va. Bon bah les premières voitures arrivent, pour l'instant je suis tout seul, je suis le seul visiteur. Et alors la BM, la 140i, là, elle passera à 9h30. Les voitures commencent à arriver, il y a une petite i20N. Franchement, j'adore les Hyundai. Et en plus, ce bleu des N est vraiment, vraiment très beau. Bon, pour l'instant, c'est full BM, comme on peut le voir. M3 et les autres. D'ailleurs, la rouge qui vient de passer au banc. Petite i20N avec tout le kit aéro. Alors je viens d'apprendre que tout le kit sur la i20N, c'est un kit d'origine. Elles sont limitées à 150 exemplaires dans tout le Benelux. Celle-ci, c'est la numéro 4 d'ailleurs. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que la seule option sur cette voiture, c'est la couleur. La couleur bleue N. Mais vraiment, vraiment, j'adore cette caisse. Très agressive et originale. Bah du coup on va faire un petit shooting photo d'une i20N, ça va être cool. Bon bah moi je reviens de mon petit shooting photo avec la i20N. Donc il y a une M4 qui vient d'arriver, bon il y a ici des BM aussi. La M140i avec un capot de compétition d'ailleurs, petite M2, une 135i coupée. Et alors là c'est une M3 CS. Ah, et une Mustang Bullitt qui arrive.
tout cas, jolie couleur avec les jantes BBS grises. Non, j'aime bien. Alors ici, il y a un RAM. Je me demande s'ils vont pas essayer de le passer sur le banc, mais il est peut-être un peu trop gros pour le banc. On peut voir qu'il y a des extensions d'ailes, des jantes. Et alors, j'ai remarqué aussi que côté gauche et côté droit sont pas de la même couleur. Ce serait rigolo quand même d'avoir un RAM sur le banc. Alors, quand je regarde, c'est bien une peinture, parce que je vois 2-3 défauts avec des griffes et où la peinture tombe un petit peu. Enfin, un détail, tu vois, mais ça prouve que c'est pas un wrap. Et alors, il vient de dire qu'elle a été restaurée entièrement d'origine. Ça va passer de l'Huracan au banc, ça c'est beau. L'Huracan perf d'ailleurs. Par contre, le wrap est assez spécial. Hein. Enfin, il y a une texture dessus, je peux pas dire ce que c'est. Oh, le petit duo V10, V12. Ça fait plaisir. Ça j'adore la configuration. En plus, comme on peut le voir, elle était Porsche Days. Oh, super couleur, superbe jante. Je l'adore. Ça rentre dedans, je suis même pas sûr. Bon bah, il est trop gros, du coup il rentre pas dedans. Dommage. M3 G80 qui vient d'arriver avec le très beau vert. Je sais plus comment il s'appelle ce vert, mais je l'aime beaucoup. Là, c'est la nouvelle RS3 en verte et une AMG GT, les toutes premières. Seulement de capter que c'était des jantes assez Schnitzer. Du coup voilà. Alors le parking s'est bien rempli, on a un X6M compétition, je suis pas sûr. Enfin en tout cas on a un X6M tout noir. Une Golf, une troisième M135i coupée en bleu, puis des M2, petite Clio RS. Et alors les deux ici ont les jantes comme les compétitions, en couleur dorée. Enfin Club Sport plutôt. Là,
La Golf, je l'avais pas vu, mais elle est bien rabaissée aussi. Alors le petit X6M Compétition, tout noir. Les jantes noires, un petit tintage sur les vitres avant aussi. Ouais, là, j'avais jamais vu cette pièce. Enfin, un petit extracteur d'air. Quoi. Bon, bah il commence à avoir du monde, c'est cool. C'est une mini GP2. Bon, du coup, le MGGT devait passer, mais le problème c'est qu'il faut démonter le diffuseur arrière pour pouvoir la maintenir. Donc, comme le pont est occupé par le DJ, eh ben, ils peuvent pas le démonter, donc elle ne passera pas au banc. C'est dommage. Réplique de 900 ST. Bon, à peu près la 200 millième fois que je la vois, mais voilà quoi.
près de flammes. Ah, ça c'est une GTE par contre. On a une RS, une Integrate. Et encore une M2. Bon, malheureusement, je pourrais pas rester jusqu'à la fin de la journée. Je suis un petit peu déçu parce que quand j'ai vu que sur la page événement, il y avait plus de 550 personnes intéressées et qu'il y en avait même pas 100 présentes au début de l'après-midi, c'est dommage. À mon avis, c'est peut-être le temps, je sais pas trop. Et je pensais vraiment que la Ferrari et la Lamborghini allaient passer avant midi, malheureusement non. Tant pis, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve à un prochain Rasso. Salut 8.